Alors, je m'appelle Anne Triplon, je suis arrivée à l'HNE en 2014 pour un poste d'infirmière en médecine 2. J'étais à l'époque avec un temps de travail à 70%, je travaillais en 12 heures et je reprenais en fait le pied dans l'hôpital puisque j'avais été infirmière en extra-hospitalier pendant 15 ans. Donc, un challenge par rapport à l'envie de reprendre dans les soins une activité en lien avec mon métier premier. J'ai ensuite pu intégrer l'équipe du cadre de flux en août 2016. Et depuis, je travaille à 80% avec une équipe de 5 personnes qui donc couvre toute la journée, chaque jour, l'activité du flux au sein de l'hôpital, que ce soit sur le site de Pourtalès ou le site de Chautron. Donc notre activité en tant que cadre de flux ou coordinatrice de flux maintenant, c'est la plus juste dénomination, doit nous permettre de positionner les patients dans des lits, quelle que soit leur problématique. Ils rentrent par le biais des urgences, et ça doit être maintenu quelle que soit la pathologie et quelle que soit la problématique. Ils rentrent aussi par voie élective, et c'est là qu'on a une marge de manœuvre pour aujourd'hui faire face, malgré le Covid, à l'accueil des patients. Donc l'activité élective a été mise en suspens pour les patients qui pouvaient être reportés afin de cueillir les patients Covid qui nécessitent une prise en charge, que ce soit aux soins intensifs si les problématiques sont graves ou au service de lits aigus si leur pathologie nécessite simplement une surveillance ou une petite assistance en lien avec de l'oxygénothérapie ou une surveillance déconstante. Pour ma part, je rentre de vacances aujourd'hui et après une semaine d'absence, je trouve un hôpital avec une physionomie complètement différente. D'une vingtaine de cas il y a moins de 10 jours, nous sommes aujourd'hui à plus de 60 patients hospitalisés sur l'ensemble du dispositif, avec des patients qui continuent à arriver aux urgences et qui nécessitent encore d'être hospitalisés avec les symptômes qu'ils présentent. Aujourd'hui, la difficulté pour nous, c'est d'envisager la suite. Parce que nous sommes un petit peu incapables de prévoir tout ce qui avait été projeté et manifestement en décalage avec la réalité. Donc nous devons faire face, nous devons soutenir nos équipes parce que nous ne sommes pas forcément en première ligne, mais nous sommes sollicités tous les jours par les équipes. Et en étant rassurants, en essayant de prendre en considération tous les moyens à notre disposition et les difficultés qui sont quand même rencontrées, notre but, c'est de limiter l'angoisse, de limiter le stress causé par cette situation et de faire face coûte que coûte.